Alors, donc là je crois que j'en étais au troisième niveau. Il va bientôt avoir les gardiens. Donc logiquement ils sont plus en plus forts hein, selon les étages. Alors qu'est-ce que je fais? Donc ouais j'ai jamais le temps d'utiliser les 4 jeans, les 4 Warlock. Qui crève avant. Et voilà. Bon, vous avez vu, il s'appelle Ghast le truc. Ça doit être un jeu de mots avec Ghost fantôme. À moins que ça veuille dire un truc. Enfin, bon. Alors là, le jeu, enfin l'énigme, c'est de récupérer les trucs avec l'espèce de clé là avec 4 AP. Mais il faut se positionner au bon endroit à chaque fois. Par exemple, celle-là, faut aller à droite là, si vous voyez. Ici. Bon, je me suis mal mis. Voilà. Alors, faut sûrement faire vision. Ok. Donc c'est pas par là qu'il faut l'attraper de toute façon. Alors qu'est-ce que je fais? Ouais, donc il va falloir passer par l'autre côté. Pourquoi ça c'est chiant parce que ça prend tout l'inventaire, c'est connard. Ah il a la même mystère. Vampirisé, ok. Ouais bah en clair ça absorbe la vie. Hein. Donc il reste plus qu'une, non deux. La clé rose là et la clé rose ouais c'est celle pour aller à l'étage suivant je pense. Et celle là aussi. Donc ouais vous voyez c'est pas très dur, hein. Suffit de réfléchir. Voilà donc là c'est la porte de gauche, il faut l'autre clé, donc là voilà, vous voyez j'ouvre toutes les portes. Hein. Là un peu de fric, vous voyez, oui je vous avais dit 333, 444 etc. Donc là l'anneau féerique, ça c'est rare les anneaux hein, d'ailleurs. Cookie. Fumiven. Alors. Tout d'abord l'anneau féerique. Faut l'équiper. Bon je vais équiper à Garrett par exemple. Ouais, parce que lui des fois il a rien à faire. Hein. Surtout qu'à la fin on est contre des mystiques de feu donc. Donc voilà, il enlève les altérations. Enfin même s'ils font pas d'altération, mais c'est pas grave. Alors moi je vais encore la mettre sur Sophia. Donc là je pense que c'est bon. Si on fait. Et voilà, donc vite passer cet étage. Hein. Donc là on est au cinquième, non, quatrième. On continue comme avant. Donc là c'est bon, c'est une méthode comme une autre, hein. Vous pouvez faire autrement, mais ça au moins ça use pas de pompe synergie. Ah, je crois qu'ils sont déjà plus chauds. Hein. Les griffons. Thank you.
Je vais y résister à deux invocations pour l'instant. Oh. Oh là, il va essayer. Donc voilà, il va se faire achever par métal alors. Et voilà. Donc là, comment on fait déjà? Donc ouais, c'est éclairé par des flammes, ouais. Ouais, elle nous pousse. Ah, je comprends, il faut pas qu'elle nous voit, en fait. Donc, camouflage, ouais. Non, j'ai pas le temps de lancer camouflage. Bon bah je vais attendre un peu. On va passer par là? Non. Donc là elle bouge devant le truc, ok. Donc, en fait, là faut faire stase. Donc, voilà, j'ai mis stase. Voilà, après on peut passer tranquille. Non, je vais devoir récupérer autre. Bon, tout ça pour ça. Donc, la camouflage. Donc on est au quatrième étage. En plus ça donne là un indicateur sur l'étage. Par un tonnerre, ça a l'air sympa. Eau et feu et air, oula. Ça c'est de la résistance, bah, je vais la mettre à lui. Hein. Allez. Donc du coup son aquavel je vais le donner à quelqu'un d'autre. Eau et feu ça résiste. Voilà. Et elle avait quoi? Un simple truc. Ouais. Donc là je vais me faire gicler. Maintenant que je suis passé par là, c'est bon. Attendez, je dis pas de conneries. Est-ce qu'on peut pas passer par la gauche là? Non. Donc voilà, assez simple aussi cette salle. Mais ça c'est fun à faire. Moi je vais me faire un petit souhait. Un cristal psy. Oui ça sert hein, les cristaux psy. Hein. Pour l'instant je me suis pas servi parce que je n'ai pas été à 3 cours de magie mais... C'est très très utile. Là. Voilà, c'est encore pire qu'avant. Donc là, je focus lui, et je focus, je veux dire, je le vise. Alors, voilà. Là, je les passe les trucs, hein, ça bug pas, vous inquiétez pas. Ah bah déjà. En fait, ils sont beaucoup, mais ils sont faibles. Si on fait des gros trucs de zone, c'est foutu pour eux, quoi. Voilà, faut le passer au moins 5 fois là, l'apocalypse. Voilà. Bon, ça m'étonnerait qu'il résiste. Hein. Là, je pense qu'il est mort. Donc ouais, Warax ne pas faire la tactique du bourrin parce que ça marche pas. Quoi. Il a beaucoup trop de vie. Donc même avec toutes les invoques comme ça, on sera tué avant. Hein, donc, ne surtout pas faire ça. Voilà. Alors là vous reconnaissez. Faut simplement bouger le tronc d'arbre. Alors tout d'abord ça. Voilà, 55, ça comme ça. Enfin ouais. Et puis si on pousse, il va aller là donc. Voilà.
Ouais, bon, ça bouge pas. Attendez. Un coffre là. Un coffre là. Et un coffre là. Ouais. Sauf que quand l'eau bouge, après, ils sont plus exactement dans la même position. Donc, je vais tenter ça, ouais. Ensuite, je vais faire quoi? On va peut-être le pousser un peu vers la gauche. Ouais, c'est celui-là qu'il faut pousser. Non. Ah, non. Faut pousser l'autre d'abord. Ouais, celui-là. Pas trop comment ça pourrait aller là-bas, mais bon. Ah oui, comme ça on bloque celui-là. On met celui-là. Ah, mais ça sert à rien de faire ça. Ça, je comprends pas. Là. Bon, je vais essayer ça. Non, ça va rien donner si je fais ça. Attendez, alors là il y a un truc, ouais. On va mettre un truc là, mais on peut pas. Bon, je vais voir à quoi ça ressemble si je fais ça. Alors, oula, bizarre la couleur. Ouais. Donc, du coup, je peux sauter là. Ouais. Donc, celui-là, c'est obligé qu'il le mette là. Hein. Ah, bah, j'ai déjà récupéré un truc déjà. Shinobi Shoujoku. Alors, what is it? Boost agité, résistance air. Donc, j'attendais de le donner à Vlad. Hein. En échange d'un. De noisette. C'est quoi ce marché de merde? Alors, ouais, lui, je vais donner toutes les tickets de jeu à Vlad. Voilà, comme ça, il aura un espace. Donc, ça, c'est bon. Est-ce que la lame mystère, je pourrais pas la passer à Yvantia? Non, ouais, mais c'est de la merde. Ça fait vampiriser, mais bon. Donc, là, maintenant, il faut. Attendez, je réfléchis, hein, juste. Faut que j'en mette un là-haut. Ok, ouais. Il faudra pousser ça par là. Et à la fin, il faudra aller tout à gauche. Donc ça, c'est fait. De toute façon, on est obligé de faire plusieurs passages. Ça, on est obligé de les mettre là, ces deux-là. Là, ça devrait être bon. Ensuite, ces deux-là, je suis obligé de les laisser là. Ouais. Donc là, on n'a plus besoin de ça, donc on va le remettre là-haut. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, on devrait pour atteindre ça. Et à la fin, il faudra aller à gauche. Ouais. Je pense pas pouvoir faire les deux en même temps. Récupérer deux coffres à la fois, donc ça doit être bon. Pour l'instant, j'y arrive bien. Au moins on a eu des bons coffres, hein. Shinobi Shoujoku, ça a l'air assez sympa. Voilà. Ça c'est un porte-bonheur, ça ne me servira pas. Hein. Moi je le garde pour le 2, hein, comme j'ai dit. Je crois qu'on peut, dans le fer de Vénus, il y a des ennemis qui en donnent, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois bien. Attendez, je vais voir comment ça se présente la situation. Ouais, d'accord. Ah, de toute façon, voilà, on va récupérer le coffre et aller vers l'étage suivant en même temps. Donc ces deux-là, c'est toujours pareil, on est obligé de les laisser là. Alors, il y a quoi? Il y a ça.
Non. Je l'ai trouvé. Ah non, c'est pas ça. Ah bah oui, c'est ça, je crois. Comme ça, ça devrait aller, ouais. Donc ouais, il sert plus à rien, celui d'en bas. Je crois que c'est ça. Ah, c'est bon. Alors là, il devrait commencer à être un petit peu plus fort. Quand même. Parce qu'on est au moins à la moitié là. Donc je dis que c'est pas dur et c'est vraiment fun à jouer. Y'a pas d'ennemis, c'est fun. C'est une bonne idée d'avoir foutu des gros ennemis comme ça. Chimère, alors une tête de chèvre, une tête de lion et une tête d'aigle. Alors c'est le genre de chimère. Chimère à trois têtes. Ouais. Peut-être inversé cette fois. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils craignent déjà? Je pense qu'ils craignent la foudre. Ou la terre. La terre ou la foudre, ouais. Ah bah non. Peut-être le haut en fait. Bon, rien que pour me faire chier, ça va être le feu. Hein. Ouais. Non, je pense que c'est l'eau qui crée. Salopard. Ouh, ça va quand même. Donc là, il se retrouve dans le milkshake dans la gueule. Il est bien secoué d'ailleurs. Ouais, il se crée de l'eau. Ouais. Et voilà. Potion encore. Voilà, la nouvelle énigme. Et voilà. Ah mais il est sur le tronc ce con. Ah oui, j'ai compris. Faut pousser là-bas, c'est ça. Voilà. Alors. Bon, ça a pas l'air compliqué. Donc on va voir ça à la prochaine vidéo. Salut.